Le sort sera prêt dans un jour ou deux. Talvas pourra vous le vendre. Excellent. Excellent. Varana est morte. Morte ? Voilà qui est ennuyeux. Légèrement, oui. Comment est-ce arrivé ? Je crois que c'était une attaque d'engeance des cendres, bien qu'elle soit morte juste devant, chez toi, devant ta porte. Mais on va dire que c'était des engeances des cendres. Ces créatures sont de plus en plus nombreuses dans la région ces derniers temps. Dans tous les cas, vous allez devoir me trouver un nouvel intendant. Essayez à Corboroc. Les villageois m'admirent. Je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à trouver un volontaire. Admettons. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Vous voulez dire que la gratitude d'un sorcier d'Elvani ne vous suffit pas ? Non. Dans ce cas, je vous paierai. Ces héros sont vraiment de plus en plus cupides. Quel genre de personne dois-je recruter ? Excellente question. C'est vrai que les candidats risquent de se bousculer au portillon. L'idéal serait quelqu'un à l'esprit vif et au physique robuste, capable d'obéir sans poser de questions. Oh, et il faudra aussi qu'il sache faire le thé. Une veste le laisse toujours infuser trop longtemps. Ok, admettons. Dépêchez-vous de me trouver un intendant. Admettons. Hop là, toi tu vends rien de nouveau ? Toute cette histoire de colonne de pierre est bien curieuse. Je ferais mieux de vite l'oublier. Qu'est-ce que tu avances ? Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Aha ! Engeance des cendres, gardien des cendres. Engeance des cendres. 429 ? Allez, je prends. Par contre, les invocations d'Atronach, je sais plus lesquelles j'ai. Conjuration. Golem de feu, Atronach de foudre. Ouais, donc j'ai pas... Les deux qu'il propose, je les ai pas. Des sorts et des incantations pour ceux qui dans le principe, hop là. S'en servir. Conjuration, Atronach de feu, Atronach de glace. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Et rien de plus. Ok. Merci bien. Livre de sort. Tac, tac, tac. Très bien. Je sais pas si je vais m'en servir, mais au moins c'est appris. C'est pas à revoir. Bon. Alors, trouver un larbin pour ce type. À Corberoc. Je vais en profiter aussi pour faire un passage par la source du Arstad machin. Histoire d'avoir des racines noueuses. Les trois racines noueuses. Ah, il m'en manque encore deux. C'est-à-dire que j'en ai une sur moi ? Je savais pas ! Je savais pas, j'en ai une sur moi ! Racine noueuse. Ah, j'en ai une ! Cool, mais il m'en faut deux autres. Est-ce que j'en ai... dans le coffre astral ? Admettons, poussière illusante, racine de canis... Non, je n'en ai pas. Fuck. Eh ben, on va aller à Corberoc. Il y en a une qui vend des ingrédients là-bas. Peut-être qu'elle en a. Ah non, il me semble pas. Il me semble pas qu'elle en ait. Il me semble qu'autrement, à la source, on peut en trouver. Hein, à la source directement. Il me semble qu'il y a des sprigants. Des sprigants pas brûlés là-bas. On essaiera de trouver la source. Ça devrait être facile à trouver, une source. Tout de même. Il n'y a pas tant de fleuves que ça, à Solstheim. Bon, il y a bien une petite rivière qui passe à côté de Telmitrine. On ira jusqu'à sa source. Puis si c'est pas ça... Si c'est pas ça, on se démerdera bien. C'est pas un souci. Alors... C'est toi qui vends des ingrédients. Sans ces maudites engeances des cendres, mon travail au champ est beaucoup plus sûr. Ouais, c'est toi. Merci. Regardez donc. Qu'est-ce que t'as à vendre ? Est-ce que tu as ce que je cherche ? T'as beaucoup de choses. Mais t'as pas ce que je cherche. Tu sers à rien.
Telmistrine a besoin d'un nouvel intendant, ça vous intéresse ? Pas question. J'aimerais mieux retourner jusqu'à Vendôme à la nage. Ça, c'est dit. J'ai des tas de potions et d'ingrédients. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir ouvert les mines d'Ébonite. Vous avez illuminé les ténèbres. Eh bien, c'est pas lui que ça va intéresser, hein. Elle vous donne un nouvel intendant. Ça vous intéresse ? Non, merci. Je suis parfaitement satisfait. Oui, j'imagine. J'imagine. Tu as déjà un très bon poste ici. Je suis content de m'être trompé sur votre compte, sérieux. Okay. Vos actions ici sont une bénédiction pour nous, sérieux. Telmistrine a besoin d'un nouvel intendant, ça vous intéresse ? J'ai abandonné ma ferme, sans façon. Ça se tient. La prochaine fois que vous avez un petit creux... Jour ? Il y a plus d'animation maintenant que l'avenir promet d'être un peu meilleur. Je crois que je vais rester un peu plus longtemps, finalement. Et d'accord, ça t'intéresse ? Ne soyez pas ridicule. J'ai des responsabilités ici. Ouais, mais de là à être ridicule... Honnête et méché. Vous trouverez peut-être quelqu'un d'assez fou ou d'assez ivre pour accepter. Si vous avez besoin de quelque chose, vous si vous cherchez un moyen. Ok, admettons, d'assez fou ou d'assez ivre. Il me semblait que tout le monde l'admirait. Ça a l'air de pas trop être le cas. Bienvenue à la taverne du Netch et Méché, monsieur. Nous avons toutes sortes de plats et boissons d'Unmer traditionnels. Ouais. Ne regarde pas. T'es donc là, toi, dis donc. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, non, j'ai pas besoin de toi, surtout pas de toi. Toi, t'es un petit Seldrin mercenaire. Cero, mercenaire. Si vous avez de quoi payer, je suis à votre service. Bon, alors toi, est-ce que ça t'intéresse ? C'est peut-être un patron exigeant, mais je ne me plains pas. Au moins, il me donne le gîte et le couvert. T'as un bon état d'esprit, toi, pour être un attendant. Vous voulez dire quitter Corberock pour toujours ? C'est un peu ça l'idée, oui. Entrer au service d'un sorcier Telvanni complètement dément ? C'est un peu ça aussi. Laissez-moi prendre mes affaires. Tout bien réfléchi, je pourrais toujours en racheter d'autres ailleurs. T'as l'air très enthousiaste. Que voulez-vous ? Je ne suis pas du genre à bouder ma chance quand elle se présente. Désolé de vous laisser, mais mon nouveau travail m'attend. Bon, ben... ça c'est fait. Tu voulais un intendant, Nelotte ? T'en as un ! Bon, maintenant. Je vais rejoindre Maître Nelotte pour prendre mes nouvelles fonctions. Oui, très bien, très bien. Très bien, vas-y. Alors maintenant, j'aimerais bien... trouver la source... la source de la rivière. Des chances que ça soit là, à côté. Ah non, source de l'Arstrad, il est là. Elle est là. Eh ben, on va y aller. On va y aller directement. Il me semble qu'il y a des quelques sprigants à l'intérieur. Il m'en faut juste deux. Il m'en faut juste deux. Comme ça, je tue les sprigants qu'il y a là-bas. Je récupère leurs racines noueuses. Je les trempe dans la source. Et je peux aller à Telmistrine direct. Comme ça, c'est... ça s'arrange plutôt bien dans l'ensemble. Je trouve. La source, elle est là. Hop là. Cool. C'était pas une bonne idée de passer par là. Doucement. C'est bon. Ça passe. Ça devrait pas être loin. Oh, un sprigant. Vous voyez, je vous disais qu'il y en avait. Non, mais je suis au-dessus. Je suis au-dessus. T'as pas écouté. Sprigant, racine noueuse. Plus qu'une. Plus qu'une. Ouais, peut-être à l'intérieur. Grotte de l'Arstrad. Oui. Oh, c'est une déesse mère. C'est la plus haute version, la plus puissante version des Sprigants. Mais pas assez puissante. Ça, c'est fait. Déesse mère, racine noueuse. Coffre. Botte de fer. Activer source. Hop.
Racine vous trempez, c'est bon. Direction Telmitrine. Telmitrine, soignons les champignons. Telmitrine, Nelot est un gros. Donc. Non, non, c'est pas un gros con, pas du tout. Pas du tout, il est juste atrocement arrogant. Atrocement. Mais à part ça, il n'est pas con du tout. Il est même plutôt malin, c'est quand même un bon sorcier Telvanni. Et il a été quand même d'une grande aide. Qu'est-ce qu'ils ont tous à dormir la nuit? Sans déconner, moi je dors jamais. Je dors jamais, je reste planté devant les portes à attendre qu'ils ne dorment plus. Vraiment, hein. On pourrait faire un effort. Tu veux que je t'apporte tes racines noueuses, sois au moins disponible, bon sang. J'ai quelque chose à peu près pour tout le monde. Oui, c'est bien. Soit-il. J'ai les racines noueuses. Ah, c'est parfait. Très bien. Je vais en garder deux pour moi. Nelot n'a pas besoin de le savoir. Prenez la dernière racine noueuse et plantez-la dans le mur flétri. Il en fallait qu'une. Kumifala vous garde. Ouais, c'est ça. Kumifala me garde. C'est ça, j'ai perdu Doretti. C'est ma rencontre maintenant, Doretti. Ça va, elle va bien. C'est quand même pratique de pouvoir l'invoquer n'importe quand. N'importe quand et surtout n'importe où. Même en Oblivion, on peut l'invoquer. C'est ça qui est magique. C'est absolument magnifique. Alors. Une seconde, Nelot. J'ai d'abord planté une racine noueuse là-dedans. Voilà. Parlez à Linéa. Bon, d'accord. Nelot. Déjà de retour. Je vous ai trouvé un nouvel intendant. Ce Drevas. Oui. Il fera l'affaire, même si son thé de racine de canis est infect. Enfin, je vous suis reconnaissant. Tenez, acceptez ceci pour vos efforts. Ceci, qu'est-ce que c'est ceci? Oh, oui. Vous pouvez utiliser mon enchanteur de bâton, si vous le souhaitez. Oh oui, bisous. Pas bisous. Pas bisous, du tout. Oh oui, Je peux. Enchanteur de bâton. Oh. Ouais, il y a le choix. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bon. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est d'abord ça. Rien de nouveau. Entendu. Rien de nouveau. Très bien. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crépuscule caché. Admettons. Ça fait qu'il m'en manque un. Ouais. Mais où est-il? Le crépuscule caché. Crépuscule caché. Sire. Crépuscule caché. Pourquoi il y a des petites salles sur les côtés si c'est pour rien mettre dedans? Hein? Explique-moi, apocryphe, hein? Bon. Tout. Caché. Rien de ce côté, il n'y a rien à derrière. Ce côté, il n'y a rien non plus. Bon. Chapitre 2. Ah, le chapitre 1 était plein de rebondissements. Ouh là là. Bon, chapitre 2. Méfions-nous des quêteurs. Pas grand chose pour l'instant, hein. Ok. Oh.
ce que j'ai dit. Merde, j'ai tué Spectre. C'est mieux. Voilà. Très bien. Restocketeur. Le dernier roi des Aïeïeïeïeïdes. Ah, c'est du sol. Je me suis dit, j'ai juste de l'eau. Enfin, de l'eau. 5 étoiles lointaines. Rien à foutre. Ouais. Il y a l'air d'y avoir des choses par là. Ah d'accord, il y a des choses uniquement si là on se plante. D'accord. Oui, donc c'est pas très intéressant. Ouais, parce que ça alterne. Hop. Ouais. Hop. C'est bon. Chapitre 3. Est-ce que ça continue ou est-ce que c'est juste une petite salle? Ça a l'air plutôt grand. On va retourner au chapitre 2. Et aller de l'autre côté. Ouais, là c'est tout petit. C'est tout petit là. Conjuration de Keter. Hop. Cos. Gemme spirituelle. Gasta Kvata Kvakis. Si tu le dis. C'est lisible ensuite, au moins. Texte obscur écrit dans le langage des Slod et que l'on devrait à Ngasta, nécromancien occidental de l'ère deuxième. D'accord. Si l'un de vous arrive à traduire cette chose, admettons. J'avoue que j'ai pas trop compris. Oh. Ok, donc, j'imagine que la pièce qu'on vient de voir, c'est celle où on se rend dans le chapitre 3. Ce serait pas étonnant. Ah, bien sûr, si je vois pas ce chemin là, ça risque pas d'aller. Allez, dépitez les escaliers. Oh, de la fumée, j'avais pas fait gaffe. Voilà.
Ça, c'est fait. La voie est libre. Aïe. Des elfes sauvages. Je prends. Moyenne barrière, j'apprends. Poussière. Du bordel, du... Éloquence. Érudit, ah d'accord. Érudit, ça doit être lire tant de livres. Moi ça me va, hein. Pas trop dur à faire. Ah, c'était cette pièce-là où il y avait ce truc. Comment tu m'as raté? Comment t'es mauvais? Comment t'es mauvais? Comment tu frappes mal aussi? Comment tu frappes mal? Bang! Tu te tais! Augmentation jusqu'à 80, très bien. Tu te tais, chute! Oh! Il a l'air caché celui-là. Ah! Porte secrète! J'avais pas fait gaffe! J'avais pas vu que cette chambre était occupée! Je suis désolé, madame! Calmez vos moustaches! Tentacule! La moustache! Les 16 accords de la folie, volume 6. Très bien, je prends. Livre de sort, calme, je... Admettons. Chapitre 3. Écoute, continuons. Que dalle par ici. Petit trou. Oui, donc le passage où... Le chapitre où je viens d'aller, c'était bien un chapitre secret. Enfin, secret. Un petit peu caché pour ouvrir une porte. Il doit y avoir seulement quelques livres derrière, ça c'est... C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits bizarres? Je commence à avoir peur! Au secours! Non, je déconne. Avoir peur d'Apocryphe, c'est gentil Apocryphe, c'est mignon, tout plein Apocryphe. Avec des petits bisounours partout. Hop. Quel que j'ai touché? Le faux. C'est bon. Et Ravar au mont écarlate, si tu veux. Ok, y a rien d'autre de caché, d'accord. Très bien. Ensuite... D'accord. Cosse. Oui, parfait. Jamais signé. Bien. Danse du feu, volume 5. Je lis, je prends. Neravar, Astrolune. Je lis, je prends. Et là, rien d'intéressant. Là-dessus non plus. Y'a personne? D'accord, la flèche essaye de faire une capture d'âme sur le couloir, c'est ridicule! Chapitre 6, chapitre 5. Commençons par le début. Enfin,
sais. D'accord. Livre de sort, mur de feu, si tu veux. D'accord, donc c'est cette porte-là que j'ai ouvert tout à l'heure. Ouh, il y a des livres de compétences. Mystère de Talara. Il y en a un pour chaque école de magie. Ouais! Peut-être que je les ai déjà lus par contre. Avant l'ère des hommes. Oui, déjà lu. 2024 feu, pas lu! Je prends. Et respirer sous l'eau, déjà lu, je crois. Ouais. Phylogénie raciale, pas lu! Je prends. Trahison hypothétique, pas lu! Je prends aussi! Pas très bien. Très bien, très bien. On ne sait pas vraiment où aller. Donc c'est sûrement dans l'autre bouquin. Retournons au chapitre 3 et allons au chapitre 6. Commence à être un peu tendu. Encore deux livres? Tu te fous de ma gueule? Bon ben avant de continuer. Avant de continuer, je vais regarder la place qui reste dans mon disque dur. A tout de suite. Bon, il y aurait suffisamment, apparemment. Alors, 8, 7. Chapitre 8, quoi, sans déconner. Allez, chapitre 7. Aïe, aïe, aïe. Hein ? J'ai pas été très discret. 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 C'est bon. Reste de quêteur. Les quatre prétendants de Benita. Je connais pas ce bouquin. Guérison, très bien. Alors d'autres bouquins. Biographie de Barenzia, volume 3. Je m'en contrefous. Je me moque. Mythe de Sheogorath. J'aime bien Sheogorath. Donc ça, je le prends. Ah, une cire. Ah, c'est intéressant. Oh! Oh, le pont là-bas, d'accord. Très bien. J'y pose. Ok, retournons au chapitre 6. Et allons dans le chapitre 8. Cette fois, le pont... Ah oui, on l'a vu, là. On l'a vu sur le côté. Ah, mais là, le pont, il est... Ah! Non! Oh bon sang! Il a failli m'avoir celui-là. Il m'a bien eu par surprise, quoi. J'étais sur lui, j'en étais pas rendu compte. J'aime magistral, je prends. D'accord, on était là. On est allé là-bas. Elle va dans tous les sens, apocryphe. C'est pour ça que j'ai... Oh là, aïe, 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 aïe. C'est pour ça que j'aime bien. Il est juste ici en plus. Oh fuck. Oui. Oula! Presque, presque. Ok, il y en a un qui est KO. Et l'autre, il va pas tarder. Hop! Couronne de magie, si tu veux, allez hop. Ah bon sang. Odor, conjuration accrue, cuir de neige, de l'or. Ça l'a pris.
Ça y est, on y est. On y est. Ah, réceptacle. 1920, Semaï, je prends. Furtivité extrême, je connais déjà cet enchantement. Deux comme ça, ça sert à rien. Évocation, absorbe la magie. Allez hop, si tu veux, dernier grien de l'ordre. Gemme noire, gemme noire, gemme magistrale, parchemin de paralysie, soin magistral. Conjuration d'engeance des cendres. Je l'ai acheté en plus. Tant pis, je le prends. J'ai acheté parchemin corps d'ébonite. Allez hop, je prends, je le vendrai peut-être. Bon, je stockerai éternellement dans mon coffre astral comme tant d'autres choses. Livre noir. Allez, fais péter, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Fais péter, qu'est-ce qu'il y a, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a, bonsoir. Supplice de Mora, étreinte de Mora, bénédiction de Mora. D'accord. Bénédiction, qu'est-ce que c'est? Restaure la totalité de votre santé, magie et vigueur. Étreinte. Fugez ainsi votre polyvien et tamarien pendant 30 secondes. La rendant vulnérable à tous les dégâts. Supplice, avec des tentacules rampants qui empoisonnent les ennemis. Bénédiction de Mora. Merci. Retour à Solstheim, s'il vous plaît. Ça, c'est fait. Ah. Hop là. Ouh. Hôtel d'enchantement, je peux désenchanter un truc? Ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. Ah bon sang, oui oui, je dois prévenir l'autre que ça s'est traité. Ah bon sang. Hein, la voix assez puissante pour dompter et chevaucher les dragons, c'est ce que fait Mirak. Certainement avec le troisième mot d'asservissement. Très certainement. Ah, niveau 1, tu as... Enfin, premier mot, tu as... Prends le contrôle de certaines créatures. Deuxième mot, les humanoïdes. Troisième mot, pourquoi pas les dragons, tiens. Si quelque chose vous plaît. Oui, toi. Non, pas, c'est pas toi qui me plaît, non, mais... Pas le droit de me traiter de la sorte. J'ai planté la racine. Excellent. Peut-être que Nelot me fichera la paix maintenant. J'en doute. Laissez-moi deviner. Vous pensez que vous méritez une récompense pour avoir aidé une vieille femme? Si tu y tiens. Tenez, prenez ça. Je vous en vendrai davantage si vous repassez plus tard. Bien-être suprême. Qu'Azura éclaire votre chemin. Non, non, il n'y a pas de sous-entendu là-dessous. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je sais très bien que c'est justement en tenant ce genre de discours qu'il y en a plein. Mais non, non, il n'y en a pas du tout. Ça fait quoi exactement la potion de bien-être extrême? Bien-être suprême, pardon. Sans... Oh mon dieu! 100 points de santé, 100 de magie, 100 de vigueur. Waouh! What the fuck? Sans déconner. Ah oui, tu m'étonnes, bien-être suprême, tu m'étonnes, sans déconner.